Bonjour tout le monde, c'est Titfungai, bienvenue aujourd'hui sur un tout nouveau jeu d'horreur qui date de longtemps quand même, mine de rien. On est sur Bunker 16, voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire. Bon bah allez, c'est parti. Introduction. Your name is Peter Red, donc ton nom est Peter Red. You fled Thunderstone and took shelter in abandoned bunker, donc... Il y avait de l'orage et on est tombé sur un bunker abandonné. As soon as you were inside, the door closed behind you. Donc dès qu'on est arrivé, la porte s'est fermée derrière nous. You have your headlamp with you, some food and some water. Donc tu as une lampe, de la nourriture et de l'eau. Ton but, find the way out of the bunker. Donc trouver la sortie du bunker. Hint, battery don't last forever. Donc les batteries ne dureront pas éternellement. Presse E to continue. Ok. Introduction. Presse WASD. D to move your caractère logique. Use your move to look around. Presse F pour enlever la flash. And cycle through the different modes. Presse E to item. It's make sure to read all the notes to open door you have. To first open the handle and then open the door instead. Self. Presse E to continue. Ok. Donc faut pas falloir utiliser la light tout le temps, d'accord. Okay, donc là on rentre dans le bunker. Je crois. On peut jouer là. Hello. Aïe, F. Ah oui voilà, je me disais aussi. Là, non. F. Donc là c'est la porte. Presse E to rotate. Ça marche pas. Si je fais F. Oui, d'accord. Ok, bonjour. Y'a rien. Ah, y'a une note là, je crois. Go in un. Je sais pas ce que ça veut dire. D'accord. On peut courir? Pas du tout. Presse E. Fermé, hein. Ah non, c'est... Ouais, je vais agresser par une porte. Ouh, il y a des petits casiers. Non, ah, je veux les casiers. C'est vide, ok, d'accord. Ok, vide aussi, et là... Ah oui, c'est pour dormir là, je crois. Je suppose. Je découvre le jeu, hein, à moitié, parce que bon... C'est un vieux jeu. En même temps, on aime bien les vieux jeux. D'accord, il n'y a rien dedans, dans les chiottes. Ah, c'est des douches, pardon. Ah, et des chiottes, oh, c'est crade. On peut aller là-haut, d'accord. On peut faire ça pour ouvrir ça, d'accord. Oh, une. Attends, oui, alors F pour. On fait ça parce qu'il n'y a pas besoin de lumière pour. D'accord. Evening of number one, Diary of George Walker. I fled the storm and took shelter in the abandoned bunker. As soon as I went inside the door, closed behind me. No, I can open it. The door must have locked me automatically when it closed. There a keyhole in the door, but of course, no key. D'accord. Ok. C'est vide. Et c'est vide. D'accord. Et là, ça ne marche pas. D'accord. Vite encore. C'est bon, y'a rien dans ce bunker en fait. Là, ça marche pas. D'accord. Trousse de soins. Pourquoi ce bruit bizarre là? Ah bah le bunker plus creepy que ça, s'il te plaît. C'est pareil. Vide, étrange. Ah, une note. Bonjour, qui veut un café périmé? Evening of number one, one. Diary of George Walker. Time, I was supposed to return a conf call at. Ah oui, on enlève light. Un type I need to find a way out of there. Let's hope there is an emergency exit or a window that is large enough. A huge thank you to winner avant the flashlight and battery. Let's hope this space is not too big. D'accord. Ok. Espace. Non, pas espace, ok.
Non mais on essaye quoi. Dans des trucs quoi. Et ouais. Il y a combien de notes là-dedans à lire? La limite. Near Midnight, November 1, Diary of John Walker encore. There is no emergency exit and there are no windows. Ça would have been far too easy, vous le dites. I have to start searching for the key to unlock the main door. Donc il va devoir chercher la clé et tout. Donc je pense pas qu'il l'ait trouvé, hein. Ce serait trop facile. Mais ça sert à rien, ça. Attends. Ah si, attends. Ah non, si, je peux fermer. My bad. Mais on est revenu en fait, on a fait le tour. Ah oui. Est-ce qu'on peut aller dormir maintenant? Mais un autre taille, c'est une blague! Mais j'ai fait le tour! J'ai raté un truc, c'est pas possible. Ouais, sûrement. Sûrement j'ai raté une note, je crois. Genre, ah, j'ai pas été à droite là, ouais, c'est ça. D'accord, vide. Vide encore. Vide de ouf, ouais. Ah, voilà, ça va être la dernière note, je pense. Encore George Walker. I know searching for an hour or two, but I haven't been able to find the key yet. If I had a wrench, I could maybe remove the screw of the main door. Of course, I do not have a wrench with me. Would take a wrench on a yak. Right. D'accord. Et il y a une porte à ouvrir. Oui, je vais voilà. Voilà ta porte. Et y a rien. D'accord. C'est vide. C'est vide encore. Évidemment, y a rien. Je peux aller dormir maintenant. Ah putain. Qui a éteint les lumières? Ça y est, ça commence. Wesh. Oh la vache. Peut-être pas ça. Mais c'est bug, il s'est jamais fatigué ce mec. Ah non, là j'ai pas été. Ah voilà, je me disais que j'ai pas été là. Non. Y'a rien là. Ah voilà, note, parfait. Derrière encore le même. I have no watch, but I assume the exit now almost midnight. I have missed the confal time. I am dead tired as a cobble of bed in one of the room. I'll take a nap there and continue searching for a key once I wake up. Ah ok. Et là, est-ce qu'il va se dire qu'il veut enfin dormir? Peut-être. Enfin, j'espère parce que bordel, mec, il veut jamais dormir. Ce mec est somnambule ou quoi? Ouf. Non, c'est pas par là, je crois. Ah, mais c'est un bordel pour se retrouver là-dedans. Alors comment tu veux t'y retrouver? Ah voilà, non pas du tout. Zek, ah, c'est par là alors. Non, c'est en bas. Et voilà. Et voilà. Ah enfin. Là il veut dormir. Bonjour. Non mais c'est qui ronfle comme ça déjà? Sérieusement. Qui? Personne. Oula, c'est quoi ce bruit? Y a un bruit hein. Non mais vraiment qui ronfle comme ça? Ah, ça y est. Bon, d'accord. C'est qu'on arrive, une note. Bonjour. Novembre 2, encore George Walker. When I wake up, I heard noise coming from the inside of my room. I hope that maybe someone had opened the main door and entered the bunker. As soon as I went inside my room, the noise were gone. The main door is still closed and there is no one around. D'accord, donc il y a toujours personne. Tout est fermé en fait, c'est ça qui est drôle.
Et là. Ouais. Eh oui, tout a changé. Bonjour. Toujours fermé, évidemment. Donc, ouais, tout a changé en fait. C'est ça à chaque fois, je pense, hein. C'est le genre de jeu où tout change à chaque fois. Je suppose. Encore, je vois le corps. I have just presented that some of the crates are not in the same place as they were yesterday. It looks like someone has searched through them. Did someone enter the bunker while I was sleeping? Could they be still here? If so, why are they so quiet? Are they hiding from me? I am armed myself with a steel pipe and tell them to show themselves. Bon, évidemment, il n'y a personne. Hein. Ce serait trop facile. Note. Mais toujours, c'est notre simulateur, quoi, vraiment. Of course, I didn't get an answer, therefore, I want to head and searching through the bunker again. There are not that many places where a person could be hiding in here, but I could find anyone. It's possible that they were living in the bunker just when I wake up. Ou que t'es juste schizophrène, peut-être. Je veux dire, être enfermé en bunker est pas le pire truc, quoi. Bundle is amazing. Ah, je peux pas! Ah, je peux pas, d'accord, c'est bloqué. Ok. On va monter alors. J'ai une note là, d'accord. Since I couldn't find anyone, I have decided to wait near the entrance for them to return. Armed with my steam pipe, I am now sitting on the core crate floor. To save on battery power, I have to put the last remaining fuse into the slot for the entrance and switch on the light on. D'accord. Y'a rien dedans intéressant. Logiquement. D'accord, encore une autre. I waited for like 3 hours, meaning the entrance and nothing has happened. All I could hear was the sound of rain. While I was waiting, I started to wonder what they were doing in here. Were they looking for something? Is there something of value in here? I now get up and search through the bunker again, but I miss something. Je pense avoir raté quelque chose, je pense, il disait ça. Alors pourquoi il chercherait dans le bunker à nouveau? Ok, on va rentrer là, il y a quoi dedans? Un carton, waouh. Peut-être une note là-dedans, je pense. Bah, pas ça sinon, je pense, ouais. Ce serait bête. Allez, ouvre. Non. Non. Ah, bingo! Nothing, there is nothing of value here. Just empty crate and barrel. There are no case here. I guess there is nothing to do but wait until they return. I hope they are not criminal. What if they were hiding something in here and know that they have picked up it? Enfin, pick it up. They won't come back. Ah bah, ce serait bien dans la merde hein, si c'est le cas. Ouais, chaud. Arrêtez avec les bruits. Sérieusement, une autre. Ouais, c'est quelqu'un qui pleure là, j'ai pas rêvé. Putain, je suis pas rassuré non plus, mais bon. I am sitting on the floor near the entrance again. I inspected the main door, but there is no way I'll ever be able to open it by myself without the key. In my head, I'm going through the options that I have. Fortunately, there are not that many. In fact, there is only two. Either someone opens the door from the inside, or will die of thirst in here. Il va mourir de soif ici. Putain, c'est pas rassurant. Pour endormir? Non. Il manque une note. Étrange quand même. Un truc que j'ai pas été. Peut-être. Bah non, j'ai été. Là, je l'ai pris celle-ci, on s'en souvient très bien. Ouais. Ah oui, là, pas con. Non. Non, rien. Y'a pas 36 000 chemins, hein. Quoique, peut-être. Peut-être que j'en ai vraiment raté une. Ah oui, là. Ah non, je viens de là. What? Il n'y avait pas ça avant. Oui, d'accord. Ah, ça, j'ai pas lu, je pense. Attends. I have spent all our hours pointing on the front door
with my steel pipe. Medicine man heard me. I managed to stay camp for so far. I hope I'll be able to keep this up. I have only very little water and food left. And none of the water type are working. Did I just hear someone whisper my name? Ok. Il pense que quelqu'un a dit. Mec, il y a un bruit hein. Bizarre. Pour attendre un sense of fuse. Ah, faut choisir où je mettrais le. Wait. Press the corresponding number on your keyboard. Non, je mets 1. Ah, si je mets 2. Je mets 2. 3. 4. Oula. 5. 6. La kitchen, bah c'est ici non? Ah, merci, salut. Oh, c'est le bruit chelou, wesh. J'ai du gaz ou quoi le truc là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, une clé? Ouais, j'ai arrêté de crier. Putain, j'ai arrêté de crier, wesh. Ça, c'est angoissant. Ah, je pense que la clé servait pour là où c'était fermé, je pense, non? Je suppose. Ouais, parce qu'il y avait une porte qui était fermée, on pouvait pas ouvrir. Je suppose que c'est là où on doit aller. Je suppose, hein. Ouais, c'est ça. On peut pas aller là. D'abord, c'est pas la clé de ce truc, hein. Bah non, c'est pas la clé. Ça serait trop simple. Et wesh, ça devient flippant! Je pense pas qu'il y ait vraiment de vrais monstres hein. Je pense que c'est juste fait pour faire peur hein. Je suppose. Faut pas être cette porte là hein. Ah si. If you start into the shadow for too long, your mind will start playing trick on you. This is exactly what happened to me right now. I see my mind in the shadow. I need to get some sleep. I will just dorm down, dorm open. Just in case I come back, even if it can be worse than dying in there. Ok. Le mec est prêt à laisser ouvrir la porte de la chambre là. Ça j'ai lu. Même si du coup il peut y avoir des méchants quoi. Enfin des voleurs. Tu m'étonnes. Le mec est tellement désespéré de trouver quelqu'un que du coup il est prêt à laisser ça ouvert quoi. En tous les cas c'est pas rassurant non plus. Wesh. Oh. Oh putain! C'était quoi ça? Oh la vache! Ah mais je suis revenu là! Oh non! Eh, je tourne en rond, putain! Je peux dormir maintenant? Ah oui, c'est bon, voilà, enfin! Merci. Mais il y a vraiment des bruits chelous, hein. Flash, merci. Alors qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Donc 9h23 encore. I did sleep well. I was awakened by the sound of something heavy being moved. It sounded as if a shelf or heavy rock while pulled over concrete. I ran out of the dormer room, but as soon as I was outside, the noise was gone again. D'accord. Dès qu'il est ressorti, bah, c'était pareil quoi, genre plus de bruit. Non, allez, c'est notre partie là. Bonjour. Alors, why is there a wall there? Why is there a wall here?
There were no walls here yesterday. This is not possible. But this is a solid concrete wall. There used to be an alloy followed by a storage area here. You've bought argon. You've bought argon. Where am I? What is going on here? Wesh. Mais ouf, c'est chelou. Damn, mais arrêtez. What is going on here? The layout of the wall bunker has changed overnight. The kitchen used to be done there, but now it is to the left of the entrance. All the loop fall are gone and the restroom is not directly behind the kitchen. Area, am I losing my mind? This can be. It just is impossible. Bah ouais, en même temps, c'est un jeu d'horreur, faut bien que ce soit bizarre. Lol. C'est vrai quoi, d'un côté. Dire ça. Oh putain. Dire c'est un bunker aussi. Où les tas de gens sont morts et du coup peut avoir des esprits qui hantent le bunker. Eh ouais mon gars. Heh. Fallait la voir venir celle-là hein. Alors t'es sûr. S'il n'y avait pas une autre là, je comprenais pas. For a moment at two, this was perhaps just a dream. I set myself into the face a couple of times, but I didn't help, I'm still here. This is really happening. What is this place? I heard someone walking around. I have to hide. Ok. Le mec entend qu'il y a quelqu'un et tout. Tranquille. The main door is where it used to be, but of course it's still locked. It feels as if the hallway got even narrower and the ceiling is even lower. All of a sudden, the air smells stale. Did the ventilation system to stop working? It is possible to suffocate in there? My heart is racing. I am sweating and my hands are shaking. Is it getting too much? Am I having a heart attack? Ah oui, carrément, le mec a une panic attack. C'est vrai que le sol, enfin le sol, du coup, s'il y avait en haut, bah c'est quand même vachement. Bah collé quoi. Même là, c'est plus pareil quoi. Bonjour alors. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, c'est nouveau ça. Ah, une note là. Bonjour. I am still here, but I feel a little better all to my end. Are still shaking. I have to get out of here now. I have tried to loosen the screw on the front of the door with my bare hand. Now I am bleeding and my head are raw. Oh putain. I turn around when I heard someone whisper my name behind me. But there was no one there. Ok. Donc le mec entend des voix, tout va bien. Bah, en même temps, j'ai envie de te dire, quand t'es tout seul enfermé dans un bunker et tout, bah c'est pas le truc le plus ouf du monde quoi, j'ai envie de te dire. Tout logique, me direz-vous. Putain, mais allez quoi, arrêtez de mettre des bruits de ding. Ding. Putain. Attends. I am not alone in here, I never was. I heard this open song whispering in the dark, the voice I get in louder now. I heard a sweet evening, I should drink more, but there is no water left. I gasped for air. I feel like I'm climbing a mountain and the air become tiner with each step. Donc l'air devient de plus en plus réduit à chaque. Putain, non, non. Oh putain. Waouh, c'est quoi ça? Wesh. Pas un truc pareil, les gars. Ah, ok. There is a picture with the imprint God mean hunt. Neither do I believe in God nor do I believe in ghost, but I swear that when I approached the picture I saw a face in it. Just for a fraction of a second, but it was there. What is this place? Who was the person in this picture? Where do the voice come from? I am tired. Tu trouves le mec qui crie les notes, c'est nous en fait depuis le début. Ah ouais, ce serait plutôt logique, je vais te dire. T'as les chiottes, c'est toujours aussi dégueulasse. Même le fantôme lui-même, il avait pas les chiottes. Ah bah c'est bon quoi. On va dire un fantôme qui pisse aussi, y'a pas trop besoin, j'ai envie de te dire. Lol. Je vois qu'on peut aller. Oh putain. Nope. Ah. C'est quoi ça? Oh la vache. Oh la vache, la flash. La flash, elle est light, elle pète un web, frère. C'est quoi ce bruit? Ah ok, on peut dormir. Wouhou. Oh la vache. Oh oh. Qu'est-ce qui se passe? Wesh.
Allô? Ouais, y a plus que les murs là. Y a plus rien. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non mais arrêtez, hein, faites pas peur les gars. Allô? Non mais des gens sont morts, c'est un bunker aussi normal qui s'est hanté, bordel. Pire endroit du monde. Oh. Oh oh, ça c'est pas un genou ça. Ouais non. Coucou, tu veux voir ma bite? D'accord. Ah, on n'est pas mort. Mec. Putain, je pensais qu'on était mort. Ah non mais vas-y quoi, la pièce est toute petite maintenant. I fell asleep again. In my dream, I saw myself sitting in a room and the walls were moving. The room was getting smaller and smaller. I woke up sweating and screaming, gasping for air. I feel weak now. I run out of water and food. I heard someone screaming again. Alors le again pas du tout rassurant du tout même. Wesh. D'accord, j'ai juste ouvert une porte hein, c'est bon? Ah bah c'est bon là, arrêtez de crier là, c'est quoi là? Oh non. Oh, il y a plus le... Y a plus la porte. The main door is gone. It was always right here, but now it's gone. Why is this happening to me? Am I being punished for something that I've done in the past? There is no way out. I will die in this hall. Ah bah tu m'étonnes. Y'a plus rien. Bon bah on avance hein. J'ai plus rien. J'ai plus sur eux hein. C'est fermé. Putain, y'a des bruits chelous frère. Ah, c'est pas ce quoi là. Allô, oui. Putain, mais mec, les bruits au secours. Oula. Je sais plus où je fais un force. Ça devient flippant, bonjour. What the... Bonjour. Il était petit vol maintenant. Ah, une note là, parfait. Oh putain! Zek! Toujours les fusibles, ok. Oh putain. Wesh, calmez-vous les gars! On va passer par là où il était, je pense. Hein. Pas le choix, hein. Putain. Je regarde pas. C'est ouvert, ok. Wesh! C'est une clé! Mec! D'accord! C'est la clé de ce truc? Ah oui, c'est dedans. Seringue? De la morphine! Et le mec il s'est injecté de la morphine, mec! Ah! D'accord! Mais ça va, non? Il faut pas faire ça! Il est fou le mec! D'accord! Ok! C'était quoi ça? Attends, c'est fini? Oh non, t'es sérieux là? Thanks for playing! Oh! Bah voilà, c'était Bunker 16! Lol! C'était quoi ce jeu? Oh mon dieu! C'est vraiment un vieux jeu quoi! Ah pour le coup vraiment vieux hein. Waouh. Bon sur ce on va s'arrêter là pour cette vidéo sur le jeu Bunker 16. On l'aura terminé en un épisode. Ah, je savais que c'était un jeu court, mais le faire ouais je. Ah ouais il est pas si bah c'est pas un jeu rageant en mode horreur ou autre, t'as des mécaniques et tout. Non c'est plutôt une expérience horrifique. Qu'un jeu d'horreur où tu peux perdre en fait. Enfin, tu peux perdre si vraiment tu utilises tout le temps la light en fait. Quand tu regardes les notes en fait. Ce que j'avais vu.
Du coup, voilà, pour éviter de recommencer, fallait bien faire ça. Donc l'intrigue du jeu, je pense que le mec qui faisait les notes, c'est nous-mêmes. C'est obligé. Parce que ça a totalement un rapport avec ce qui se passe en fait. Donc je pense que c'est ça. Et le bunker est hanté, c'est obligé, parce que bon, je veux dire, un bunker, t'as pas ça en général, quoi. Plutôt logique. Bon, sur ce, on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. J'espère au moins que cela vous aura plu. Et pour ceux qui n'auraient jamais vu ce jeu qui date de longtemps également, bah tant mieux pour vous, hein, du coup. Yep. Bon, je mettrai le lien du jeu téléchargement en description. Vous pourrez y jouer également si vous le voulez. Voilà. Bon, sur ce, moi j'espère moi que cette vidéo vous aura plu. Et à plus tard pour d'autres vidéos. Bye bye!